Reims 8e accueille Strasbourg 17e. Les Rémois n'ont pris qu'un point sur les deux derniers matchs, n'ont remporté qu'une seule de leurs quatre dernières rencontres. Un ralentissement certain pour Reims alors que Strasbourg se bat pour le maintien. Strasbourg est le premier relégable, mais a remporté deux de ses quatre dernières rencontres et espère obtenir un résultat à l'extérieur. Habib Diallo est de retour de suspension. Il est titulaire en compagnie de Diarra et de Sanson. Balogun est bien sûr présent, l'un des meilleurs buteurs du championnat. Mène l'attaque rémoise, soutenue par Ito et Matuziwa. Premier ballon en faveur de Strasbourg. C'est le coup d'envoi de la rencontre. Reims a du mal à repousser cette balle. Récupération alsacienne. Diarra centre. La déviation subtile de la tête d'Habib Diallo. Déjà 1-0 pour le Racing. L'arbitre siffle dans un premier temps pour indiquer un hors-jeu. Mais la VAR vérifie et le but est bien accordé. 1-0 pour Strasbourg dès la première minute et même après 16 secondes seulement dans la rencontre. Une performance de choix pour un Habib Diallo qui n'était pas hors jeu. Il marque son 16e but de la saison et permet donc au Racing de mener rapidement à l'extérieur. Les joueurs de Frédéric Antonetti ont fait la différence mais subissent la réponse rémoise. La balle pour Ito dans la surface, en retrait pour Balogun. L'égalisation rapide de Reims et le but n'est pas validé, une position de hors-jeu annule ce but. Toujours 1-0 pour Strasbourg. Nouvelle relance des Alsaciens. Une balle bien récupérée par Diarra. Le travail dans la surface pour servir Habib Diallo. Même passeur que sur le premier but. Et même buteur, le doublé pour Habib Diallo à la 37e minute. L'international sénégalais inscrit donc son 17e but de la saison. Une performance de choix et un retour remarqué après sa suspension. 2-0. Pour Strasbourg à la mi-temps. Reims a perdu son allant des semaines précédentes et a deux buts à remonter désormais devant son public. Situation un petit peu compliquée pour les joueurs de Will Steele. Reims essaye d'aller de l'avant mais c'est compliqué de se procurer des occasions nettes. Peut-être ici, le ballon vient du côté gauche. Un centre et une intervention de Ito dans la surface. Il arrive dans le dos des défenseurs. Quelle intervention de Mats Sels. Le gardien belge est très solide. Occasion énorme pour l'international japonais. C'était une balle pour réduire l'écart et se relancer dans le match. Ce n'est pas encore tout à fait terminé pour Reims. Avec cette balle pour Balogun. Le centre au deuxième poteau. Mais ça n'arrive pas à destination. Une balle qui touche le haut de la barre transversale. Une dernière pour Reims avec Ito sur ce centre. Mais c'est dégagé par une défense strasbourgeoise solide. Victoire très précieuse en vue du maintien pour le Racing Club de Strasbourg. 2-0 sur le terrain de Reims.